Allô, Jude? Oui. Allô, bonjour, monsieur. Tu n'as pas à me saluer, juste dis-moi ce que je dois savoir. Monsieur, désolé, je l'ai cherché depuis le matin, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, mais certainement quelqu'un l'a pris. Jude, es-tu fou? Hein? Non, monsieur. Juste écoute-toi, tu es vraiment un grand fou. C'est comme ça que tu feras l'argent dans cette ville, hein? Non, monsieur, je suis désolé, monsieur. Désolé pour toi-même, ma caque. Écoute-moi, Jude, j'ai fait l'argent. Tu me comprends? J'ai fait l'argent. Alors quoi que tu fasses maintenant m'importe peu. Je t'ai amené à la cité pour que tu fasses l'argent pour que je t'aide. Si tu continues comme ça, Okosukamabe, tu ne feras aucune somme. Tu m'entends? D'accord. Espèce d'idiot, va te faire voir, Jude. Stupide. Je n'ai pas de temps pour toi. Il y a beaucoup de gens à la recherche de l'aide là-bas. Je ne devrais que t'aider à aller te faire pendre d'où tu viens, imbécile. Désolé, cet homme est toujours comme ça. Désolé. Il ne sait même pas s'arrêter pour s'excuser. Tu veux dire que tu ne le connais pas? Il habite sur cette avenue. Je m'en fous de ce qu'il est. C'est tout ce qu'il sait faire. On l'appelle Oseoniego. Le peu d'argent qu'il a eu l'a rendu fou et il n'a plus de considération pour qui que ce soit. Ne pense pas qu'il pourra rentrer et te demander pardon. D'ailleurs, il fait souvent pire. Il doit être un idiot pour avoir fait ça. Désolé, allons-y, hein. Allons-y. Désolé. C'est n'importe quoi, ça. Désolé, allons-y. Allô, c'était quoi ça? Hein? C'était quoi ça? Tu m'as fait attendre pendant longtemps, pourquoi? Patron, j'ai entendu le klaxon, mais j'étais aux toilettes. J'ai entendu le klaxon, comme pompon, pompon. Mais j'ai dit, ce n'est pas le patron. Vous voyez, j'ai pris une tisane. Et ça tournait dans mon stomac. J'ai essayé de me saisir, mais je n'ai pas pu me saisir. C'est pourquoi j'ai couru aux toilettes. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-tu la fermer? Ferme-la! Pourquoi ces excuses? Hein? Ferme-la! Donner des excuses va t'enlever la vie que tu mènes maintenant. Tu dois être à ton poste à tout moment. C'est pour cela que tu es payé à la fin du mois. Ok? Si tu n'arrives plus à faire ça, ton employé n'aura plus d'autre choix que de te virer. Hey, patron, pardon. Ne me renvoie pas, patron. Pardon. Tu devrais être désolé pour toi-même, pas pour moi. Tu m'entends? Désolé pour toi-même. J'ai beaucoup accompli. La diligence a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Tu peux pas continuer à faire des excuses? Regarde à ton âge, tu es toujours comme ça. Regarde le genre de travail que tu fais. Ça veut dire que tu ne peux rien accomplir.
Merci, monsieur. Je ne te blâme pas. Un matin, je me réveillerai et mettrai fin à ton contrat. Et je te jetterai dehors. Pardon. Oh. Voyez, moi, ce petit garçon qui me parle comme ça, je ne te blâme pas, ce n'est pas de ta faute. Je me lèverai le matin, je te renverrai, tu partiras, tu es inutile. Juste parce que j'ai la diarrhée. Chérie, bienvenue. Comment tu vas? Oui, ça va. Tu m'as manqué. Tu m'avais aussi manqué. Comment s'est passée ta journée? Oh, stressant. Et la tienne? Oui, très bien. Où est mon garçon? Il dort. Il dort? Ah, oh, à 7 heures? Mm-hmm. Il pleurait lorsque je suis allée le prendre à l'école. Il m'a dit que son enseignant l'avait fouetté. Hein? Oui, parce qu'il avait beaucoup pleuré. Il avait mal à la tête, alors il devait prendre des produits. Et il dort maintenant. Mais comment un enseignant ordinaire aurait le courage de fouetter mon fils? L'as-tu confronté? Et pourquoi je devais faire ça? Et alors pourquoi ne pas faire ça? Hein? Après que l'enseignant a fouetté l'enfant des Osionego, tu me poses une telle question, hein, vraiment? Pourquoi? Chérie, donc on ne peut pas taper ton fils à l'école? Personne n'a le droit de toucher à mon fils, ça ne doit jamais arriver, jamais de la vie. Chérie, même les enfants des Dangote ont été à l'école et ont été fouettés par leurs enseignants. Ce sont des sottises, ça n'a pas de sens. Hein? Tu penses que la discipline consiste à fouetter les enfants? Même s'ils doivent les fouetter, ils ne doivent pas fouetter n'importe qui. Hein? Écoute-moi très bien, je suis aussi Oniego, personne ne touche à mon enfant. Ça n'arrive pas et ça ne peut jamais arriver. Ne t'en fais pas. À 7 heures demain, ce professeur sera sans emploi. Hey. Je vais me rassurer qu'on la chasse de cette école. Si ça ne tient pas, je fais tomber l'école. Personne n'a le droit de taper mon fils. N'importe quoi. Hey, chérie, calme-toi, ok? Je veux dire, comment on peut discipliner un enfant sans pour autant lui donner un coup de fouet? De quoi tu parles? Personne n'a le droit de toucher à mon fils. S'ils ont un problème avec lui, ils doivent m'appeler ou me convoquer. Ils n'en ont pas le droit. Chérie, calme-toi, ok? Donc, ils n'ont pas le droit de discipliner ton fils à l'école, c'est ça? Personne n'en a le droit. S'il te plaît, laisse-moi aller dresser la table. Je sais que tu as très faim. J'en ai pas besoin. Ne m'apporte pas à manger. Si quelqu'un discipline mon fils, je vais le discipliner aussi. Désolé patron, je veux que vous compreniez que... Jude, écoute-moi. Je ne devais pas être celui qui doit te comprendre. C'est moi qui t'initie. Tu saisis? Ah, oui, patron. C'est de moi que tu dois apprendre. Donc c'est toi qui devrais me comprendre. C'est clair, au lieu de me pousser à te comprendre. Ta mère t'a amené ici parce qu'elle est ma tante. La petite sœur de ma mère. Elle veut que je t'apprenne tout ce que je sais dans le business pour que tu émerges, n'est-ce pas? Bien. Et tu espères qu'en étant ici, tu vas apprendre beaucoup de choses parce que moi, j'ai accompli beaucoup dans la vie, n'est-ce pas? Oui, patron, tu as raison. Alors écoute-moi très bien et comprends-moi. D'accord, monsieur. Tout homme qui a réussi dans la vie a un secret. Tu dois découvrir ce secret. Si tu le découvres, tu réussiras. La première des choses, la diligence. Focus. Tu me saisis? Oui, monsieur. Quand je servais encore mon maître, je ne racontais pas de telles histoires. Ça vient d'où ça? Comment se fait-il qu'on a mis quelque chose sous ma gestion? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est perdu. Comment ça? Comment cela est-ce possible? Ce n'est pas possible et c'est exactement ce que tu fais. Et c'est en rapport avec ce que je dis. La diligence. Ça montre que tu n'es pas tellement dans ce que tu es en train de faire. Et parce que j'étais diligent, je savais ce que je faisais et j'étais dans ce que je faisais. Regarde maintenant ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu me saisis? Regarde ce que je suis aujourd'hui. Tu connais mon niveau. Tu connais mon niveau. Cette maison est l'une des maisons que j'ai construite, Jude.
je contrôle le marché de lait. J'ai une marchandise qui vaut plus de 25 millions de naira dans mon entrepôt. J'ai plus de 30 millions de naira cash dans mon compte. Il n'y a aucun jeune homme de mon âge dans notre village, dans notre communauté qui peut parler tel que je parle ou qui peut tenir mon discours. Personne ne peut se tenir juste devant moi et parler. C'est impossible. Pourquoi? À cause de l'argent. Je suis le jeune homme le plus riche de mon village et quand je parle, tout le monde tremble. À mon âge, il n'y a personne, juste moi. Je sais, monsieur, mais désolé, monsieur. J'ai entendu que Eribe a gagné beaucoup d'argent et qu'il est le plus riche. Tu es fou, toi. Tu es vraiment un... Je suis désolé. Qui t'a raconté ce bêtise? Tu veux que je te sanctionne pour les iPads que tu as perdu? Je suis désolé, monsieur. Hein? Désolé. J'essaie de te parler et tu déconnes. Alors dis-moi, qui est ce Eribe en question? Eribe est le fils de Mazé Oudenso. Oh, c'est lui-là. Ah, oublie-le. C'est lui qui ne fait suivre que les politiciens. Mais tout ça va passer, non? Tu le suis pour ce petit argent qu'il a. Oublie-le. Il ne saura pas tenir, je te rassure. Monsieur, vous savez, on dit que ces politiciens ont vraiment beaucoup d'argent. Jude. Monsieur. Tu veux apprendre de moi? Oui, monsieur. Écoute-moi. Avant d'avoir une telle fortune, comme les politiciens, hein? La fortune qui fera trembler tout le monde où que tu partes. Il faudrait que tu sois un gouverneur, un sénateur, un député, un ministre ou même un président. Pas leur petit garçon de poche, ce n'est pas possible. D'accord monsieur, c'est juste ce que j'ai entendu les gens dire. Ah, oublie ce que les gens racontent, c'est du n'importe quoi, les gens racontent toujours des trucs. Où était Eribe s'il est si fortuné que ça, hein? Où était-il quand les villageois, les gens de notre communauté ont fait de moi le chef moteur de ces projets, ce projet de construction? Hein, dis-moi, où était-il à ce moment? Ça montre qu'il n'a pas d'argent. Hein? Je suis le jeune homme le plus influent de mon âge dans ma communauté à cause de l'argent que j'ai. Est-ce que tu me comprends? Qui d'autre? Va chercher! Sillonne le village partout, tu ne verras personne, juste moi! C'est aussi simple que ça, je suis le plus riche, ok? Écoute-moi très bien, Jude. L'argent, c'est comme une grossesse, hein? Quand tu en as, tu ne peux pas les cacher. Peut-être que tu peux cacher la procédure qui fait en sorte que tu gagnes l'argent. C'est de la même façon qu'un homme qui engrosse une femme. Mais aussitôt que ça entre et qu'elle est enceinte, ça va grandir. Quoi que tu fasses pour le cacher, ça va toujours grandir. Ça revient au même avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose de très puissant. Tout le monde saura que tu as l'argent. Jude, as-tu appris quelque chose aujourd'hui? Oui, monsieur. Dis merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Hey. Chérie, nous sommes prêts. Nous partons maintenant pour ne pas manquer les rendez-vous de médecin. Oui, c'est vrai, t'as raison. Grand garçon, qu'est-ce que t'en dis? Bye bye. Bye, sois un bon garçon, ok? Chérie, vas-tu aller au bureau aujourd'hui? Ah, mon amour, tu as oublié. Je t'avais dit que j'irais au village. C'est le jour J. C'est le jour du projet. Alors, vas-tu y passer la nuit ou... Non, je vais juste y passer quelques heures et je vais revenir. J'ai envie d'y aller, chérie, ne t'en fais pas. Hein? Laisse-moi leur montrer pourquoi on m'appelle aussi Oniego. Et je vais revenir. D'accord, fais un bon voyage, ok? Je vous aime, les gars. Je t'aime aussi. Qui a fait ça à ma voiture? Aloy! Monsieur! Aloy! Monsieur! Ici! Bonjour, monsieur! Dépêche-toi, viens ici! Qui a fait ça à ma voiture? Hein? Moi, je sais pas où. Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas?
une voiture que j'ai achetée est mise sous ta supervision. Et ceci est arrivé. Dis-moi qui a fait ça. Monsieur, je ne sais pas. Peut-être que vous l'aviez garé quelque part et quelqu'un l'a fait avant que vous ne reveniez à la maison. Je suis innocent, je ne connais rien de ceci. Je suis innocent, monsieur. Alain, sois prudent. Oui, monsieur. Tu m'entends? Oui, monsieur. Sois très prudent dans cette parcelle. Oui, monsieur. Regarde très bien, c'est une 350. Oui. Est-ce que tu le vois? RX 350. Ce n'est pas une 300. Pas une 330. Ce n'est même pas une fausse 350 qu'on fabrique par n'importe qui. Ça, c'est une originale. Tu m'entends? Alors, tu dois être très prudent. Peut-être qu'en l'avant, tu as commis l'absurdité de la cogner contre un objet. Tu sais combien ça m'a coûté pour l'acheter? Tu sais, hein? Si je te donne la somme que j'ai utilisée pour acheter cette voiture, ça pourra nourrir toute ta progéniture. Désolé, monsieur. Fais gaffe. Oui, monsieur. Disparais de. If I do you Nuba ekere munu. Je vous salue tous. Je vous salue. Je n'ai pas à vous rappeler pourquoi je suis ici. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Nous sommes ici pour commenter, donner des avis sur le projet de construction de notre village. Ok? Ouais. Oui. Alors vous n'avez pas tellement à vous inquiéter. Comme je suis là, vous n'avez pas tellement à vous inquiéter. Oui. Car l'argent parlera à ma place. Oh, Seigneur, l'homme fort. Oh, oui. Hein? On va les construire. On construira cette communauté. Quand bien même que ça va prendre du temps, peut-être une année, deux ans ou trois ans. Mais croyez-moi, nous y arriverons. Et croyez-moi, quand on aura fini, ça sera parmi l'un des meilleurs centres civiques construits ici en Afrique. Ils ont dit, le voyage de 1000 km commence par un pas. Oui, exactement. Tu as raison. J'ai eu à comprendre que le projet total va nous coûter 50 000 naira. Effectivement, effectivement. Oui, c'est ça. C'est vrai. Oui. Yes, Oluwa. Je vais faire un don d'une somme de 40 millions de naira. Alors nous irons progressivement petit à petit et je continuerai à contribuer pour me rassurer que notre centre soit construit. Exactement. Alors, Bilembote a collé Kamana. Oui. Otikana on a la Sabino geste. J'ai deux chèques signés par moi contenant 2 millions de naira chacun que je donne au gérant. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Tout le monde, je pense que tout le monde a vu, tout le monde a confirmé aujourd'hui que Akulueno est notre sauveur. Osuniego nous a confirmé que c'est lui le seul et l'unique et qu'il sait réaliser ses promesses. Avec Osuniego, nous allons atteindre tous nos objectifs. Oui, Onyego. Osuniego. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous faire comprendre que quelqu'un de très 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 important vient de nous rejoindre. Et cette personne va changer notre manifestation d'aujourd'hui. Je suis en train de parler de l'un de nos pères, un fils de notre terre. Au fait, je parle d'une personne qui a démontré partout qu'il est financièrement capable. Il a démontré que son argent est une source intarissable. Et cet homme qui est l'un de nos frères, je parle du fils de notre terre. Il provient d'Abuja. Il vient à peine d'arriver et on l'a informé qu'on organise quelque chose concernant la construction de notre centre civique. Et il est venu pour nous montrer qu'il peut nous aider à pouvoir le construire. Accueillons ensemble les fils de Ambouan de notre royaume. Le seul et l'unique, l'incontournable, l'intouchable. Merci. Je vous salue tous. Mon peuple, je vous salue.
Et bien sûr, les présidents de notre union, ceux qui sont payés à l'étranger, je vous salue tous aussi. Je suis assis derrière et j'ai bien entendu tout ce qui a été dit. Chef d'inauguration, tu as essayé. Tu as très bien essayé. Mais mon peuple, je me demande quel type de centre municipal les 50 millions de naira vont nous construire. Parce que je suis très sûr que 50 millions de naira ne peuvent même pas terminer le toit d'un complexe moderne. Ouais. Je viens de quitter un site de construction à Abuja. En fait, l'un de mes sites. Et j'ai dépensé plus de 60 millions de naira. Hey! Pour la toiture de l'un des projets. Juste pour la toiture. Nous sommes en 2018. Les choses ont changé. Écoutez, je veux que nous construisions pour nous-mêmes un centre civique magnifique. Qui, je veux dire, celui qui peut m'encourager d'inviter mes amis et mes collègues. S'il vous plaît, je veux savoir, avec tous mes respects, qui est le président du comité de construction? C'est lui. Il est là. C'est moi. Ok. Oh. Très bien. Je vais t'envoyer un plan d'un centre municipal magnifique qui va nous coûter 450 millions. C'est vrai? Ne vous inquiétez pas. Je vais transférer 200 millions de naira dans le compte du comité de construction. Afin que le travail commence immédiatement. Je vais personnellement, moi et Riba Boabou, nous construire un magnifique centre municipal. Merci. Merci. Mon patron m'a regardé, moi, m'a salué calmement. Comment tu vas? Et j'ai dit bien monsieur. Sans problème. Ya! Les merveilles ne finiront jamais. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Jamais. Tu vois, hein? Voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu viennes avec ton ami. Ok? Toi et ton ami, vous allez rencontrer mon chef. Une minute avec mon chef changera beaucoup de choses dans la vie de vous deux. Crois-moi. Waouh. Eh bien, cet ami, j'espère que cet ami est vraiment plein aux as. Tu vois ce que je veux dire? Il parle d'ami. Laisse-moi te dire. La personne dont je parle est connue en tant que l'homme le plus riche. Le plus riche de notre génération. Est-ce que tu avais une fois frappé avec de l'argent? J'ai dit te frapper avec de l'argent. Tu ne vas pas comprendre. T'es sérieux? Bon, dis-moi, quand allons-nous nous rencontrer avec ton boss? Calme-toi. Je vais y travailler. Très bien. Je t'appellerai et je te dirai là où toi et ton ami me rencontrerez. Tu vois, mon boss aime une fille comme toi. Une fille très...
mignonne et vraiment? Qui doit avoir... tu comprends ce que je dis? Arrête, ça marche. Ok, mais je veux te dire quelque chose. Ce qui est plus intéressant ici, c'est mon pourcentage. Je ne plaisante pas avec ça. 10% de tout accord que je vous donne, les filles. Es-tu d'accord ou pas? Ok, très bien, pas de problème. Je suis d'accord. Bien. Ok. D'accord. Attends mon appel alors. Pas de problème. J'ai vu le visage du chef d'inauguration de la construction. Pour te dire la vérité, chef, ne t'es pas content? Tu sais, je suis allé intentionnellement à cette inauguration pour intimider ce gars. Et tu as réussi. Honnêtement, tu l'as réussi. Tu sais, Ago, hein, nous sommes camarades de même âge. Nous avons fréquenté la même école. Le pauvre a été assez chanceux pour que sa mère l'envoie à Enugu, mais malheureusement, sa mère l'a envoyé à Onitsha pour servir un homme d'affaires comme son apprenti. Bien sûr, il a servi très bien. Le monsieur l'a remercié très bien. Après ce remerciement, il s'en sortait très bien. Je vois. Mais tu sais quoi? La richesse s'est montée sur sa tête. Ce faisant, il commençait par se comporter comme un dieu dans notre village. Tu dis vrai. Et bien sûr, devine quoi? Dans le pays des aveugles, le bogne est toujours roi. Tu sais, arrivé à un moment, il croit que il a réussi grâce à son diligence et son travail acharné. Donc, pour lui, hein, nous qui sommes au village, nous sommes tous des paresseux. Des gens paresseux. Des gens peu sérieux, des personnes non organisées. Il s'est trompé. Tu as tout dit. Mais ce qu'il a oublié, c'est que je travaille sur le terrain. Et devine quoi? Je suis prêt pour lui maintenant. L'indomptable. Makatuku, j'ai participé à cette cérémonie d'inauguration pour lui faire comprendre que oui, nous sommes des camarades. Hein, que nos richesses ne sont pas des camarades. Les riches sont des riches, mais parmi des riches, il y a les plus riches. L'argent dépasse l'argent. Mais c'est ça. Je vais lui faire comprendre que lui, son argent est l'argent de mes apprentis. L'argent de petits commerçants. C'est qu'il a oublié que nous sommes les vrais propriétaires de l'argent. Nous sommes déjà au sommet. Laisse-le attendre. Au moment où je vais finir ma maison du village, mon frère, on ne prend pas de l'appel à Sambisa. Pas de réseau là-bas. Il ne sera plus la tête. Ça, jamais. Nous ne sommes plus au moment de la danse Shoki, c'est le moment de l'Ampasili. L'indomptable. Comme tu le sais. Je vais le faire disparaître. Je vais le faire comprendre que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut comparer avec n'importe qui. Je ne suis pas leur égal. Mais attendez, quand on parle des riches, c'est des gens comme lui? Non, c'est pas des gens de son type. Voilà le type de personne que Olamide appelle un élève de la science. Nous venons de démarrer la partie. Hey Jésus. Hey, bébé. Le plus grand de notre génération. Tu sais, génération. On discutait de ce sujet jusqu'à oublier nos invités. Le grand homme de notre temps. Hey, Afoumoua. Le boss. Je parlais au téléphone au garage. Je vis ta voiture. Je me suis dit que Ogedji a pu au palais. Et les gars Bagou en personne doit être ici. Que j'entre. Bienvenue. Assieds-toi. Prends place. Elga Gouagou. Quoi d'autre allons-nous faire?
L'argent a été fait. De telle emprise que ce n'est même plus a été fait. Ou est fait, c'est déjà là, c'est à nous de l'utiliser. Donc ça y est. Daniel Eli. Ça y est, donc nous pouvons l'utiliser comme bon nous semble. Je suis la source d'argent. Eli Bagouagou Waninye. Ah, mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Oh, c'est fou ce que ce type est trop riche. Oh mon Dieu. Babe, tu n'as encore rien vu. Tu vois l'argent. L'argent est en train de venir. Oh là là. L'argent est en train de venir. Machin, tu penses qu'il va nous donner combien même? Nous n'avons pas passé la nuit avec lui. Babe, ne sois pas pressée. Tu l'as encore bien vu. L'argent ne sera bientôt riche. Attendons le voir. Oh mon Dieu, je suis contente. Salut. Ah, voici 100 000 naira. Babe. Et j'ai enlevé 20 000 naira de cet argent. C'est-à-dire des 10 000 de chacune de vous, comme on l'a dit. J'espère que c'est cool. Oui, oui, nous sommes très contents, ça bien. Va. Et on ne va pas se plaindre du tout. Et toi? On a conclu une bonne affaire avec toi. Nous partons maintenant. Bien, pas encore. L'homme qui venait d'entrer, il s'appelle Afoumoua. Et il aimerait passer cette nuit avec vous. Ça, c'est un autre grand accord. Et ça, c'est une autre très bonne nouvelle. Mais n'oubliez pas mon pourcentage demain matin. Je ne plaisante pas du tout avec ça. C'est clair? Oui. Pas de souci. Bien, suivez-moi. Cool. Oh, Nzambelangai. Comment ça? Hey. C'est impossible. Comment ça? Comment? Non! Cette fortune, ça vient d'où? Ah ah! Oh. Chérie. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? À qui parles-tu? Ne te dérange pas. Je parle à personne. Pourquoi peux-tu me dire de ne pas m'inquiéter? Tu sais que je te connais très bien et tu ne peux pas me cacher quelque chose. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis ta femme. Hey. Honte de ma vie. Crois-moi, honte de ma vie. Durant ma vie entière, la toute première fois que je sois humilié, c'était aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Tu connais Henri Ben? Je t'ai parlé de lui avant, c'est mon vieil ami. Oui. Il a juste dit à tout le monde de ma communauté, de mon village aujourd'hui, que je suis un homme pauvre. Crois-moi, que je n'ai pas d'argent. Et que les gens qui ont l'argent dans ce pays ne sont pas proches de moi, même pas d'une semaine. Pourquoi dirais-tu ça? Elibé a mis en jeu 200 millions de naira. Crois-moi, pour ce projet de construction dont je t'ai parlé. 200 millions. Et juste devant moi, il a transféré cet argent dans les comptes de construction. 200 millions de naira. Avant de quitter Abuja. Juste devant moi. Tu veux dire que ce gars a cette somme d'argent? Mon amour. Tout ce que j'ai. Tout ce que je possède. Mes voitures. Ma maison, la marchandise dans l'entrepôt, mon compte bancaire, si tu mets tout ensemble, ça n'arrive pas jusqu'à 200 millions de naira. Et ce garçon a juste fait un seul transfert de 200 millions de naira. Hey, je suis fini. Que Dieu soit loué. Je suis très contente. Comme ça, ton orgueil va un tout petit peu se rabaisser. Les gens riches qui ont beaucoup d'argent
ne sont pas du tout orgueilleux comme toi. Qu'est-ce qui m'arrive, oh? Tiens, ce garçon a promis qu'il allait le faire. Finalement, il l'a fait. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant que la secrétaire a lu le procès verbal et qui a été adopté, quel sera notre prochain ordre du jour que nous allons présenter lors de la réunion prochaine? Merci, Monsieur le Président. Tu sais, Monsieur le Président, voici ma suggestion, mon opinion. Si tu me demandes, je pense qu'il sera mieux pour nous d'organiser un carnaval durant le prochain Noël. Oui. Un carnaval durant lequel nous allons inviter les grands acteurs de Nollywood, des musiciens à travers le pays, pour venir nous divertir. Les jeunes des autres communautés ont l'habitude de l'organiser, vous savez, en cette période, et c'est souvent quelque chose de grandiose. Mon conseiller, penses-tu que les gens accepteront ton idée? Vraiment, qui n'aime pas les bonnes choses? Tout le monde aime les bonnes choses. Tout le monde va se divertir, ça c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qui arriverait si la majorité des gens refusent de le voter? Je suis sûr que la majorité va voter pour. Je sais ce que je dis. Je suis très sûr pour ça. Mon trésorier, quel est ton point de vue? Très bien. Merci, monsieur le président. De rien. En fait, je dois dire que je suis vraiment déçu. Honnêtement, j'ai honte. Croyez-moi, j'ai vraiment honte. Je ne m'attendais pas à une telle absurdité de la part mon ami ici présent. Je croyais que vous m'avez fait venir pour une réunion productive. Je suis venu ici laissant ainsi tout ce que je faisais, sachant que mon bon ami ici, Elibé, hein? Je veux dire, comment pouvez-vous parler d'organiser un carnaval de Noël? En fait, disons, à ces moments où peut-être qu'on a perdu des sens. Regardez autour de nous. Regardez bien notre communauté. Nos jeunes garçons et jeunes filles ne font rien du tout. Vous ne verrez personne construire une belle maison. Et vous ne verrez personne conduire une belle voiture. Et c'est aussi simple que ça, c'est à cause de cette mentalité absurde. Hein? Au lieu que les jeunes hommes pensent à gagner ou à faire de l'argent, ils doivent penser à émerger dans leur vie au lieu de parler des carnavals de Noël ou quoi. Attends, aussi. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment est-ce que c'est mauvais si on organise un carnaval de Noël durant lequel nos jeunes auront l'opportunité de se rencontrer et échanger? Dis-nous en quoi cela est mauvais. Pour se connaître, afin d'échanger entre nous, quel est ton problème? C'est à cause de cette petite somme d'argent que tu as donnée au Nisha l'autre fois? Hein? Ou c'est à cause de cette petite maison, cette cabane que tu es en train de construire? C'est quoi ton problème? Et tu oses me parler ainsi? Ago, mesure ta langue. Ma patience a eu une limite. Bien, je comprends ce que tu ressens. C'est exactement pour ça que tu cries. Les pauvres ont souvent tendance à crier. Et les riches comme nous, on ne fait pas d'échange de paroles avec des pauvres comme toi. Mais je te dirai toujours les problèmes que j'ai avec ta suggestion d'organiser un carnaval de Noël. Hmm? Pour organiser un carnaval de Noël, le mal est que vous allez venir vers moi, me demander de l'argent que vous allez gaspiller pour organiser le carnaval de Noël. Voilà maintenant où se trouvent les grands problèmes. Tu parles de qui même? Tu n'as pas d'argent pour ça. Aussi, tu es un homme pauvre. Tu es un homme pauvre. Laisse-moi te poser une simple question. Aussi, toutes les personnes qui achètent les choses luxueuses dans cette vie, qui voyagent
en jet privé et vivent dans des maisons luxueuses. Est-ce qu'ils ont deux têtes? Est-ce qu'ils ont deux têtes? À cause de peu d'argent que tu viens de gagner à Onija, tu fais de la bouche. Ago, je te l'ai dit, nous ne sommes pas égaux parce que je suis la source de l'argent. Je suis la source de l'argent. Si tu ne le sais pas, même le... Regarde-moi ça. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle argent? Toi, tu es l'argent. On parle des gens qui voyagent en jet privé. Tu es là-bas en train de faire la bouche. Qui penses-tu que tu es? Qui es-tu? Ouais, mon nom est aussi Oniego. Laisse-moi attendre. C'est bon, j'ai bien dit que je comprenais pourquoi tu cries. T'es un vieil ami et nous venons de la même communauté. Et puis quoi? Si ce n'était pas pour ça, en faisant juste ça, tu seras arrêté. Assez. Et je vais te mettre aux arrêts comme ça pendant 30 ans. Je jure au nom de Dieu, Makatuku. Et, quand tu seras libéré, tu ne parleras plus. Je te dis vrai. C'est assez, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Comment est-ce que vous allez venir à une telle réunion et commencer par vous chamailler? Est-ce un marché ou quoi? Président, laisse-moi parler à ce gars. J'ai beaucoup attendu de lui. Je vais lui montrer dans ce village. Donc, moi, le président, je vais parler, vous n'allez pas m'écouter? Président, je te laisse la parole. Mais tu es pauvre, non? Hey! Tu n'as rien dans ton compte. C'est ça le problème. Tu n'as pas d'argent. Organiser un carnaval de Noël, tu viendras chez moi demander l'argent. Moutoubalo, moutoubabonga. Alors, que veux-tu que je dise d'autre? Et comme ça, à chaque fois que tu rencontres des gens riches comme nous, tu dois apprendre. Et si tu ne peux pas apprendre, moi je m'étais. Hey! Donc, président, en tant que votre président, vous n'avez plus de respect. Président, avec tous mes respects, je m'en vais. Quoi que vous décidiez autour de cette table, il faut savoir que je vais y participer. T'as pas d'argent, donc il n'y a rien aussi, de tout à dire. Je vais te prouver que l'argent dépasse l'argent. Je vais te montrer ce qu'on appelle argent. Toute décision que vous prendrez ici, je vais y participer. Même voir s'asseoir avec cet homme, ce pauvre homme, je m'en vais. Donc c'est ce que vous voulez, hein? Non! Comme il veut me défier! Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Oh, Guinée, qu'est-ce qu'il y a encore? Bébé, s'il te plaît, prends ton déjeuner. Eribe a dit qu'il allait le faire. Et il a juste ma faim. Oh mon Dieu, ça c'est terrible. Chérie, arrête ça. Un autre jour viendra. Aïe! Non, non. Qu'est-ce que les gens vont dire maintenant? C'est moi, non? Aussi Oniego. Ah non, je ne peux pas rester indifférent, non? Hein? Je dois faire quelque chose. Eribe, attends. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Oh, vraiment. Il faut que je trouve une autre stratégie. Puisque je ne veux pas des affaires illégales, alors des activités criminelles ne doivent pas en faire partie. Je ferai la politique. En temps plein, oui. Quand mes affaires marchent encore, je ferai la politique avec toute mon énergie. Mon cible majeure sera un contrat important avec le gouvernement. Un contrat devra être signé, oui. Eribe ne peut pas venir juste se moquer de moi dans ma communauté. Non! Je reste toujours aussi Oniego. Oh mon Dieu, vraiment. Où Eribe a-t-il fait une telle somme d'argent? Pendant une période si courte que celle-ci? C'est ça ma question. Où? Aussi. Il a quelque chose que nous appelons argent facile. Tu peux aussi l'appeler argent sans stress. Ce genre d'argent, tu ne le gagnes pas par le commerce. Non, 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 non. Cet argent porte l'onction. À l'appui d'un bouton, il y a l'argent partout. C'est ce genre d'argent qu'Eribe a gagné. Alors, où est-ce que les gens peuvent faire de telles sommes d'argent? Ainsi qu'Anini Penzayeb Sangai, où? C'est ça que je veux savoir. Où? Es-tu un office de la politique? Fraude sur Internet, du prix, des contrats auprès du gouvernement.
Où Eribe a-t-il signé ce genre de contrat? Où? Des contrats auprès du gouvernement, bien sûr. J'ai appris que le directeur de l'électricité d'Abuja lui a donné un contrat pour fournir du diesel pendant 3 ans à toute la centrale électrique afin d'alimenter l'éclairage public à Abuja. Et cela coûte à peu près $1 million. Hein? Hein? C'est ça. Osama Kamaokam. Donc les politiciens que RIB suit à tout moment, disons que ça l'a finalement payé. Bien sûr, c'est payant. Écoute, dans cette vie, mon frère, la consistance dans tout ce que tu fais est très importante. Très importante. Hey, hey, mon Dieu. Pour la finition de cette maison, nous avons déjà fixé une date. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qui empêche la finition de cette maison? Monsieur... Non, 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 attends. Veux-tu que je te retire le contrat et le donner à un autre afin qu'il me finisse vite le travail? Non, ne dites pas ça, monsieur. Vous savez, la pluie nous a beaucoup dérangés. Mais je vous promets moi-même qu'à la prochaine visite, revenez même dans une semaine, tout va changer. Est-ce que je peux savoir pourquoi ce derrière est si petit? Mais monsieur, c'est comme ça que ça se trouve dans le plan. Non, je veux que tu l'agrandisses. C'est là où je vais recevoir mes amis. Sachez que ça sera fait, monsieur. Il n'y a pas de problème. Je ferai comme vous l'avez dit. Maintenant, fais-moi visiter la chambre dont tu parles. Ok, venez, monsieur. Comment? J'arrive pas à croire que tu disputes sur ceci. Hein? L'opportunité que les autres filles cherchent, hein? Tu devrais être plutôt contente. Agosé. Donc c'est ce que tu fais pour arriver? C'est ce que tu fais pour arriver? Tu lui vends des filles, n'est-ce pas? Regarde-toi qui parle. Est-ce que c'est mauvais si un homme te rencontre? Ne vas-tu pas te marier demain? Et l'homme dont nous parlons n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme qui a de l'argent. Allez! Comment es-tu sûr qu'il veut m'épouser? Ou alors c'est juste qu'il veut me voir? Viens, comment le serais-tu? Va le rencontrer d'abord et tu vas l'écouter. Et tu seras là d'où il vient. Et s'il y a quelques doutes ou quelque chose que tu veux savoir de plus, tu vas lui demander. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Ok. Tu as dit qu'il n'est pas loin, non? À l'heure où je te parle. Il est sur son chantier et nous attend. Ok, attends que j'aille Ah non, me non, changer. Non, non, tu n'as pas besoin de te changer. Hein? Tu es bien déjà. Jolie fille, tu es belle. Si tu vas te changer maintenant, tu vas tout gâcher. Viens, hein? Allons-y. Tu sais, ok. Si quelqu'un dit qu'il a de l'argent, et tout ce qu'il fait, c'est parler contre son peuple. Si tu regardes cette personne, si tu la regardes très bien, elle n'a rien. Hein? Non, elle n'a rien. Quelqu'un qui a de l'argent, aucun riche n'a le temps de parler contre son peuple. Aucun riche n'a le temps pour le commérage. Quelqu'un qui a de l'argent ne parle pas beaucoup. Cette personne qui fait du bruit n'a rien. Mais devine ce qui va se passer. Je suis venu pour leur montrer. Montrer à certaines personnes comment devenir riche. Ce n'est pas de la bouche, ce que je dis ici. Eribe, désolé de te couper la parole. Je ne sais pas là où tu veux en venir. Peux-tu être plus explicite? Ok, tu ne peux pas comprendre. T'inquiète pas. Je vais faire quelque chose qui va surprendre toute la communauté. Écoute, je vais financer 10 fils entrepreneurs de cette communauté avec 2 millions de naira chacun. Quelle bonne nouvelle! Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Ça va. Ok. Mmh. Tu sais pourquoi je t'ai appelé ici? Non. Tu sais que tu es le président de la jeunesse depuis longtemps. Oui. Et je dois l'avouer, tu t'en sors très bien. C'est la grâce de Dieu. Je veux que tu me donnes 10 noms de jeunes entrepreneurs de cette communauté dont tu crois que s'ils reçoivent de l'argent, ils peuvent bien l'utiliser pour s'établir. Ok. Je veux que tu joignes leur compte bancaire okay. à leur nom. D'accord. Je vais personnellement transférer 2 millions de naira dans le compte de chacun d'entre eux. Amakoria. Afin qu'ils démarquent quelque Amakoria. Chose. Amakoria. Finalement, un sauveur s'est levé dans notre communauté. Un sauveur s'est levé dans notre communauté. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous cherchons. Je veux que tu les surveilles personnellement. Pas de problème, je le ferai. Et assure-toi qu'ils retournent le capital. Pas pour moi, hein. Ok. Pour leur propre progrès. Je le ferai. Hmm? Je le ferai. J'ai appris que tu fais des affaires à Onitsha. Je vends les caleçons et les soutiens des femmes. Leurs dessous, c'est ce que j'ai fait. Hein? Les affaires sont des affaires. Tout ce qui rapporte de l'argent est une affaire. Je veux que tu m'envoies aussi ton nom, attaché de ton compte bancaire. Mon nom, je vais aussi... ça fait 11. Oui, ça fait 11. Je vais personnellement transférer 2 millions dans ton compte pour supporter tes affaires. Moi, 2 millions. Hey, Amakoria. Ah, écoute, écoute, je n'ai jamais compté 500 000 dans ma vie. Et tu vas me donner 2 millions. Hey, cette nouvelle me fait couler les larmes. Pardonne-moi, c'est des larmes de joie. Amakoria, Amakoria. Maintenant, il est un sauveur de notre communauté. Dieu te bénira. Dieu te bénira pour nous. Hey, Ozu, hey. Ozudo, hein? Lève-toi. Quand je me lève, je me laverai. Je me laverai. Je me suis levé. Je veux que tu me dresses une liste de 50 veuves, même si le nombre dépasse. Je veux donner à chaque veuve 1 million de naira. Hey! Pour soutenir tout ce qu'elles font. Cette nuit, je vais t'apporter les noms, aussi des veuves que des jeunes. Les entrepreneurs, je les t'apporterai cette nuit. Amakoria, les dieux continueront de te bénir. Amen. Les dieux de cette communauté te béniront. Amen. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous voulons. Et non pas ton, 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 ton. Amakoria, finalement, un sauveur s'est levé dans notre communauté. Ce n'est pas une question de parler, 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 c'est fini. C'est l'argent qui parle, le vrai argent. Le vrai argent parle. Hey, venez. Hey, je m'en vais circuler la nouvelle. Je m'en vais pour faire circuler cette nouvelle. Ah, je m'en vais circuler la nouvelle. Je m'en vais. Tout le monde doit écouter cette nouvelle. Ce qui va se passer, hein? Attends-moi ici. J'irai lui dire que tu es là. D'accord? T'es sûr qu'il est vraiment là parce qu'on n'avait aucune de ses voitures dehors? T'inquiète pas. Probablement, il aurait envoyé quelqu'un avec la voiture. Ok? Allô, boss. Nous sommes là. Ouais. Mais on a dit que tu es sorti. Hein? Abuja. Alors, que vais-je faire maintenant? Ok, que je vienne avec elle. Ok. Ok, monsieur. Mais... tu réserveras un vol pour nous. Ça va, je ferai ça. Je ferai ça. Elibe Nkizizi, l'homme le plus redoutable. Je lui dirai. Ok, pendant le week-end. Considère que c'est fait. Tu sais que je te suis loyal, non? Elibe Nkizizi. Mon boss, tout mon respect. D'accord, au revoir. Euh...
Depuis tout ce temps que je t'attendais, tu m'as vraiment fait beaucoup passionner. Goma, il y a un petit problème, mais ce n'est pas si sérieux, hein? Ils viennent juste de me dire qu'il est retourné à Abuja. Mais tu vois, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas ce genre de choses, hein? Tu viens de me faire perdre mon précieux temps. T'inquiète pas, hein? Il y a un autre plan. J'ai parlé avec lui au téléphone et il m'a dit de venir avec toi à Abuja. Hein? Abuja? Oui. Tu vois, tu es contente maintenant. On va aller à Abuja. Maintenant, voici ce que tu vas faire maintenant, hein? Tu vas aller à la maison et tu iras arranger tes choses. Tu prendras certains habits qui sont très bons. Tu vas, après toi, le week-end, nous allons prendre le vol sur Abuja. Un voyage. Je dis que je t'amène. Dans un avion. Bien sûr, mais toi aussi, qu'est-ce que tu penses? Nous allons prendre un vol. Ah oui, je vais faire mes bagages. D'accord, allons-y. $2 millions à chacun. Oui, oh, j'y étais armé. En tout cas, je compile toujours les noms. Mec, donc ce n'est plus des blagues. Pas du tout, mon frère. $2 millions, ce n'est pas de la blague. Oh. Au fait, ce qu'Eribé fait avec son argent maintenant, c'est de distribuer, aider les nécessiteux. C'est ce qu'il fait. L'argent, tchaï. Et il a dit qu'il veut nous apprendre la signification d'être riche. Pour ça, je savais qu'il faisait référence à toi. Tu connais RB, non? RB, il est contre toi depuis longtemps. Mais je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Hein? Tout ce que je voulais, c'est faire entendre ma voix. Je voulais que les jeunes émergent comme dans d'autres communautés, c'est tout. Et tu as réussi à le pousser dans la richesse. Pour cela, félicitations. Tu as bien fait. Et tu as dit qu'il voulait sponsoriser quelques jeunes. Bam. Ce que tu n'as jamais pensé faire, c'est ce que fait Eribé. Chai, c'est un grand homme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu, mon frère. Chai, la Bible a tout dit. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Aussi, tu as toujours été le meilleur et le plus influent. Les données ont changé. Les gens commencent à te parler de n'importe quelle manière. Un grand géant s'est levé. Tu es devenu Oscar Osionego. Oh non, je refuse d'être Oscar. Si j'étais capable de gagner la fortune que j'ai maintenant à partir de zéro, pourquoi ne serais-je pas en mesure de gagner même plus que ce que Erubé gagne maintenant? Pourquoi? Hein? Non, aussi on est go. Pas de retraite. Jamais. Like a thunderbolt, remember says never you get this in life. This life, never as you think. Oh, mon employé, comment tu vas? Bien, bien, pas de problème. Regarde, je veux que tu me voies immédiatement. Oui, je vais reprendre les travaux concernant ma maison du village. Oui, tout. Oh, oui, je veux que tu me donnes la liste de tout ce qu'il faut. En fait, tout ce qu'on doit acheter pour que les travaux reprennent. Oui, comme ça, je pourrais t'envoyer de l'argent. Oh, s'il te plaît, je crois pas que je vais avoir le temps. De quoi tu parles? Ne veux-tu pas finir le travail que tu as commencé? Il y a beaucoup de pression sur moi. Eribé veut qu'on termine sa maison dans un mois. Comme tu peux le remarquer, moi et mes hommes travaillons nous tes jours pour le faire. S'il te plaît aussi, pour l'instant tu dois attendre. Attendre qui? Hein? Attendre qui? Qui es-tu? Tu es qui pour me faire attendre comme ça, mon frère? Ferme-la. Tu mens. Tu es mon employé et tu mens. Si tu ne veux pas faire ce travail, je vais trouver un autre employé. Je le paierai tellement bien qu'il fera très bien ce travail devant toi. N'est-ce pas mieux pour toi? C'est toi qui construis les maisons. Une année, un bloc. Aussi, écoute, je suis fatigué de ce travail-là. Je ne pourrai plus le faire. Bien, ok, écoute-moi. Écoute. Allô? Va là-bas, n'importe quoi. Et là-bas, place bien ces blocs-là. Hey, mon Dieu. Hein? Hey, Jésus-Christ. Moi?
Aussi au Niego, il a surnommé mes constructions de une année un bloc. Hey. Tout ça à cause d'Eribé. Moi, aussi au Niego. Aussi au Niego. Ah non, non. Employé, je veux que tu m'écrives tout ce qui est voulu pour que la maison du village soit finie dans un mois. Hein? Un mois. Tout ce qu'il faut. Tu me comprends? Oui, oui. Et mon plan est comme ça. Du moment que nous commençons, il n'y aura donc pas de pause jusqu'à ce que le travail soit fini complètement. Ok. J'enverrai le plan. Il me faudra voir le chantier. Ok. Comme ça, ça me permettra de voir là où les travaux se sont arrêtés. Bien, ce n'est pas du tout un problème. On serait parti maintenant, mais je dois participer à une réunion importante. Demain matin, viens et je t'amène là-bas. Ok. D'accord. Et si c'est possible, je veux que le travail commence immédiatement. Une fois que nous sommes là, je veux que toi et tes hommes commenciez le travail immédiatement. Il est même possible que nous puissions y aller même demain. Aussitôt que nous avons le moyen, les travaux peuvent commencer. Ce n'est pas du tout un problème. Laisse-moi te raccompagner, d'accord. Ok. Avant que je n'oublie, voici tes chèques. Mon chèque? Oui. Mais ça, c'est mon don pour le projet de construction. C'est vrai. Va juste retirer cet argent et donne-leur, voilà. Je suis désolé. RIB a changé d'avis. Il a dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre contribue un franc pour ce projet. Il voulait le faire tout seul. Ça, c'est quel genre d'insulte? J'ai fait mon don avant qu'il n'arrive. Et comme le chef moteur du projet. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait juste parce que je voulais contribuer à la construction du centre civique de ma communauté. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aussi, personne ne le disputait avec toi. RIB a tout changé. Il a dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre contribue. Ceci est le dernier ordre qui tient. Hein? S'il te plaît. C'est ça. Prends-le. Hein? Ce garçon cherche vraiment mon trouble. Crois-moi, il veut me monter sur les orteils. On aura de terribles ennuis avec lui, je te dis vrai. Regarde comment il veut se foutre de ma gueule, dis-lui. Bébé, s'il te plaît, calme-toi, ok? S'il veut que tu reprennes ton argent, c'est bien. Hein? Il y a plusieurs projets qu'on peut faire avec cet argent. On peut même le mettre au projet du village. Qu'est-ce que tu racontes là? En fait, comment peux-tu m'insulter de la sorte? Pourquoi enverrait-il quelqu'un pour retourner mes chèques? Pourquoi? C'est parce qu'il veut que la gloire lui revienne. Et pourquoi? Pourquoi? J'ai été désigné comme chef moteur de ce projet. Et donc j'ai fait mon don avant même qu'il foute ses pattes là. Et alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Chéri, c'est clair que tu ne vas pas gagner ce combat. Oui, ce gars a beaucoup d'argent, s'il te plaît. Va prendre ton argent, c'est simple. D'ailleurs, tu as un bon projet pour ton peuple. Tu peux construire une cathédrale. Et je crois que ce projet sera bon. Écoute ce que tu dis, que j'ai construit une cathédrale. Je suis fortuné à ce point. Vraiment. Ok. Regarde-toi. Hmm? Ce gars a beaucoup d'argent. Et ce qu'il fait, c'est juste pour t'humilier. Tu n'arrives pas à le comprendre? Reste serein, qu'est-ce que c'est? Bébé, s'il te plaît, calme-toi, ok? Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour ton peuple. Ok? S'il te plaît. Hein? Bébé. Ceci montre que ce projet va coûter beaucoup d'argent. Si nous allons acheter le plafond, le type de plafond que tu as dit que tu veux, et les autres matériaux, avec la décoration intérieure, ça pourra faire 30 millions de naira. 30 millions? Es-tu sûr que 30 millions va suffire? Car la sorte de toiture que je vais mettre dans ma maison coûte aux environs de 6 millions. Et le pavement de la parcelle dans de 2,6 millions. Oui, 30 millions suffira. J'ai tout écrit sur ces papiers.
et le reste sera trop minimal. Très bien, pas de problème. Je vais t'envoyer une petite somme là, 2 millions de naira, pour que tu apprêtes le terrain et que tu achètes les instruments, pour démarrer les boulots. Hein? Et plus tard, je t'enverrai plus. Je pense que ça fait l'affaire. Très bien. Passe-moi ton numéro de compte. Ok. Aussi. 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 Es-tu sûr de faire la bonne chose? Hein? Utiliser tout l'argent que tu as pour finir la maison? Non. La construire petit à petit est mieux pour moi. Comme ça, mon compte bancaire ne sera pas affecté. Et encore moins mon business. Hey, mais maintenant les gens se moquent de moi. Surnommant ici ma maison, une année, un bloc. Non, je dois finir cette maison au plus tard le mois prochain. Au moins pour regagner le respect. Je dois leur prouver que je reste toujours aussi Oniego. Boss, je l'ai envoyé. Oh, ok. C'est rien du tout. Hein. Mon plan est de finir la construction de cette maison dans un mois. Hein? Ça sera fait dans un mois. Es-tu sérieux? Ah oui, j'ai assez d'argent. Un mois. Mon Dieu est bon. Oui, oh. Mon Dieu est bon, oh. Oui, oh. Tous mes ennemis et tout ce qui se moque de moi seront dans la honte. Exact. Mon fils, je ne t'ai pas dit ce qui s'est passé dans ce village. Quoi? Tu connais ce jeune homme, Eribe? Depuis que cet homme s'est fait de la fortune, les gens de ce village, incluent les vieilles femmes comme moi, commencent à parler comme des petits-enfants. Tout le monde est devenu commère. Bonjour, moi, je suis Bossani. Concernant qui? Qui d'autre? Toi! Ils disent que toi, tu penses être la seule personne qui a l'argent. Et que Dieu les a bénis avec un homme très riche. On dirait que toi, tu faisais une compétition avec les gens. Maman, laisse tomber. Mais la chose qui me dérange le plus, c'est quand ils se moquent de ton immeuble. D'ailleurs, ils ont surnommé ton immeuble une année un bloc. Et c'est ça qui me donne vraiment de l'insomnie. Comme je l'ai dit tantôt, maman, laisse tomber. Hein? Quoi que tu fasses dans la vie, les gens vont toujours parler. C'est comme ça qu'ils sont. Merci pour le repas. C'était délicieux. Très bien. Je m'en vais alors. Prends bien soin de toi. Hein? Très bien, maman. Pour qu'il n'est malade. Bye. J'ai appelé cet homme comme vous m'aviez orienté. Et je lui ai envoyé ses cotations. Il a dit qu'il va envoyer ses matériaux une fois que nous faisons une alerte. A-t-il envoyé les détails de son compte? Oui, il l'a fait et je te l'ai envoyé directement. Ah, ok. Je vais les prendre alors. Je voudrais que tu payes directement pour que le travail ne s'arrête pas. Désolé. C'est toi le propriétaire de la maison? Cette maison est plus importante qu'à moi qu'elle est à toi. J'enverrai l'argent. Ok. J'aurais besoin de 700 000 naira. Hein? Pourquoi? Vous savez, boss, non? Qu'ils travaillent nuit et jour. Et leur salaire journalier a augmenté. Et nous utilisons le groupe électrogène et nous achetons le carburant chaque nuit. Nous dépensons 200 000 naira pour le carburant chaque nuit. Oui. Ok, bien. Je vais envoyer l'argent. D'accord. Mais rassure-toi de faire le rapport sur tout ce que tu fais comme dépense. Hein? Fais un bon rapport. Car à la fin, on se mettra sur une table et allons parcourir le rapport. Juste faites-moi confiance. Mon boss m'a envoyé de demander si les produits en aluminium sont arrivés. Les produits en aluminium, on les attend toujours. Comme quand? Quand est-ce que vous les attendez? Le week-end, ce week-end. Quand? Samedi ou dimanche? Ça va arriver samedi, pour être plus précis, samedi. Samedi. Donc je dois revenir le samedi? D'accord, reviens le samedi. Ok, merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Nketi, mais comment tu veux que je lui dise?
Hein? Tu sais que je suis nouveau ici. Hein? Pourquoi ne pas attendre le comptable? Attends-le comme ça, tu vas lui dire lui-même. Suis-je mieux placé pour lui dire? Tchuss, Oga doit être au courant que tous les matériels sont presque à la fin. Tu dois lui dire. D'ailleurs, il n'y a même pas un tout petit peu. Tout est fini. Tu sais, c'est la même chose ici. Oh. Les gens venaient. Hein? Je t'ai dit, les gens avaient l'habitude d'acheter ici. Maintenant, c'est fini. Hey! Je suis en train de suspecter que les gens commencent à partir ailleurs pour le produit. Oh, oh, tu dois dire ça à Oga. Tu dois lui dire, oh. C'est ça ton travail. Hey, la même raison partout. Pourquoi on vous paye? Pourquoi elle est payée par le patron? Même toi et les autres vendeuses. Pardon, vous devez lui dire. Dites-lui. C'est toi, parce que tu es tout le temps avec lui. Ah, tout le temps, mon œil. Regardez-la. Je vais essayer. Pars. Va à l'intérieur, juste pars. Il n'y a même pas de clients. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Bonjour, patron. Qu'est-ce qui t'amène ici? Patron, s'il te plaît, est-ce que la comptable ou l'une des vendeuses t'a appelé? Personne ne m'a appelé. Monsieur, désolé. Elles m'ont demandé de venir te voir. Mais je leur ai dit qu'il est mieux qu'elles t'appellent elles-mêmes. Et que je suis nouveau dans les affaires. Dis-moi, c'est quoi le problème? Patron, la plupart de nos produits sont épuisés. Et le client se plaigne. Ils ont dit qu'ils attendent d'autres produits. Mais aucun n'arrive. Patron, je sais que tu n'as pas l'habitude de venir aux boutiques. Tu es toujours au bureau. Nos boutiques, nos entrepôts ne promettent presque plus. Quel produit en particulier? Patron, pas un seul. Oh. Pas un seul. Il y a le Half Moon populaire. Il n'y en a plus. Les produits de Half Moon sont finis? Hey! Que sont-ils en train de vendre donc? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Monsieur, elles ont dit. Elles n'ont pas l'habitude de te les dire. Que tu le remarques à partir des comptes. Quand c'est terminé, tu en commandes d'autres. Alors, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas encore vérifié les comptes. C'est bien alors, tu peux partir. Merci, monsieur. Oui, non, c'est exactement ce que je te demande. C'est très simple. Envoie-moi la marchandise, je vais payer. Bien sûr. Ah, crois-moi, je vais payer jusqu'au dernier dollar. Tu me connais. Et c'est vieux, arrête de parler ainsi. On a fait des affaires depuis longtemps. Il y a plus de 8 ans. T'ai-je déjà trompé? Pourquoi? Ah ah! Et donc, ce n'est pas un problème. En fait, si j'ai des soucis, ton entreprise doit être en position de me dépanner. S'il te plaît. Ok. Très bien, alors. Peut-on procéder de cette façon? Juste écoute-moi. J'ai 7000 dollars. Oui, je les ai maintenant. Et je peux totaliser 10 000 dollars. Oui, j'ai 7000 dollars maintenant là. Et je peux en ajouter 3 pour faire 10 000. Oui, une fois que c'est prêt, je vais t'envoyer. Juste envoie-moi la marchandise. Je vais vendre et dans 2 semaines, je vais te rembourser. Non, attends. Veux-tu dire que tu vas juste m'envoyer la marchandise de 10 000 dollars? Et donc, à la valeur du montant que je vais t'envoyer? Oh non, tiens donc, et c'est vieux, tu ne peux pas me faire ça. Tu m'as fait confiance pendant plusieurs années, pourquoi maintenant? Tu ne peux pas me faire ça, juste envoie la marchandise, je vais payer. Est-ce que... Ah, allô? Allô? Hey, qu'est-ce qui m'arrive, oh Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Mais pourquoi tu peux dire rien? Il est déjà minuit. S'il te plaît, allons dormir. Je ne dors pas maintenant.
Va dormir si tu veux dormir. Je ne suis pas un petit garçon. Hein? Je ne suis pas un petit. Tu ne vois pas que je parle à faire. Quand je vais sommeil, je viendrai. Va dormir. Ok. Désolé. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Bien, monsieur. Oui? Tout est presque fini. Je t'assure. Il reste juste le problème d'électricité. Et vous savez que nous avons mis de fil conducteur. Alors, ça ne va pas vraiment nous coûter. Et je vais juste terminer ce travail et me libérer. Alors, je saurai que j'ai accompli mes paroles. Que j'ai achevé le projet comme convenu. Employé, ce travail va s'arrêter pour le moment. Ce projet va s'arrêter pour le moment. Hein? J'ai des trucs plus importants à faire pour le moment, ok? Patron, nous avons terminé. Oh. Nous avons terminé. Nous avons fait le plafond. Nous avons fait la plomberie et nous avons même peint. Ce dont je suis en train de parler maintenant ne va te coûter que 1 million de naira. Es-tu un idiot? As-tu 1 million de naira à me donner? Hein? As-tu 1 million de naira à me donner? C'est ta maison? Je viens de te dire clairement, je t'appellerai en cas de besoin. J'ai des choses sérieuses à régler. Stop le boulot pour un temps. D'accord, monsieur. Ah, ok, viens. Qu'en est-il de cet argent? Monsieur, tout l'argent que nous avons reçu a été payé pour les comptes de la compagnie. Tous les détails sont là, monsieur. Ah, oui. Es-tu sûr? Oui, je suis sûr. Bien. Benson nous doit de l'argent. Pourquoi vous n'avez pas collecté ça? L'argent que nous avons récolté est versé dans le compte de la compagnie. Les détails sont là. Es-tu sûr? Oui, monsieur. Oh! Mais... et donc, tu essaies de dire que dans notre compte, c'est tout l'argent que nous avons fait dans les ventes pendant 3 semaines? Oui, monsieur, c'est tout ça. Es-tu vraiment sûr de ce que tu me dis ou est-ce que tu te trompes? Non, monsieur. On n'a pas fait une erreur, je suis sûr. Tu peux t'en aller. Merci. Allô? Oui, Onyeka. Oui, c'est moi aussi. Onyeka, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Je cherche un prêt. Donne-moi 8 millions de naira, s'il te plaît. Oui, je viens de découvrir un produit très vendu dans le marché actuellement. Je veux juste l'acheter. 8 millions de naira, juste ça. Je comprends. En fait, j'ai même déjà fait une commande de marchandises. Oui, dans 2 semaines, la marchandise sera ici. J'ai passé la commande avant de recevoir l'alerte me disant que le produit était prêt. Onyeka, s'il te plaît, aide-moi, je vais rembourser, ce n'est pas un problème. 8 millions de naira juste pour les affaires, je vais te les rembourser, ça va bien payer, tu auras ça sans faute. Ce n'est pas du tout grave, tu peux même avoir les documents de l'une de mes voitures. Tu gardes et je vais payer, c'est promis. Hein? Juste 8 millions. Ah! Tu n'as pas d'argent. Hey! Es-tu sûr que tu me dis la vérité, Onyeka? C'est moi, oh. Pas de problème, ça va, hein?
Je ne veux pas en entendre davantage, ok? Pourquoi ferais-tu une telle chose? Amani, tu ne vas pas comprendre. Je ne pouvais juste pas croiser mes bras et regarder ce qui s'est passé autour de moi. Non, je ne pouvais pas, car parfois on me considérait comme un vaurien dans ces villages. Je n'arrive pas toujours à comprendre ce que tu dis. Es-tu en compétition avec une personne? Écoute, même si ça va te prendre un millénaire pour construire cette maison, quand ça sera achevé, personne ne va se soucier de combien de temps cela t'a pris. Tous ceux qui sauront ce que tu as construit une maison au village. La façon dont nous le gérions était très bien. Mais maintenant, tu veux impressionner des gens qui ne contribuent même pas un centime pour toi et sur ta façon de gagner l'argent. Pas de problème, ok. Vas-tu m'aider? Prête-moi un peu d'argent pour que je réactive mon business. Ok, je peux même te donner le document de ma voiture et même la clé de ma maison comme garantie. Juste prête-moi un peu d'argent pour que je réactive mon business. Aussi. Je t'en prie. Sans mâcher le mot, je vais dire que je ne peux pas faire ça. Oui. Je veux... C'est de la folie, ça. Comment une personne peut être l'architecte de sa destruction? Oh, Amani, ce qui est arrivé est arrivé. Arrête de me blâmer. Trouvons un remède. Une solution. C'est ça qui importe, non? Bien. Juste hier, j'ai transféré 15 millions de Naira à mes partenaires de l'étranger. Je peux pas t'aider. Je n'ai pas d'argent maintenant. Hein? Et j'espère avoir de l'argent quand mes marchandises arriveront et quand je vais commencer à vendre. Amani. Donc tu n'as aucun cash à me donner, Amani. Au moins je suis content que tu as commencé à réaliser combien monumental et désastreuse était ton erreur. Je pense qu'il te sera mieux d'aller consulter ton banquier. Peut-être qu'il peut t'aider. Et quant à moi, c'est une peine perdue. Je suis désolé. L'homme le plus redoutable. Je te salue, boss. Je vais bien. Boss, il y a quelque chose que je veux te dire. Es-tu au courant que Ossi a fini sa construction? Bon, tu sais que je ne peux pas te mentir. Ton entrepreneur m'a dit que dès qu'il a appris que ta construction est au niveau de la finition, il l'a appelé pour venir commencer la sienne. Mais il lui a dit qu'il devrait finir la tienne d'abord. Mais ça, c'est la vérité. Tu sais ce qui s'est passé? Parce que ton entrepreneur a refusé d'aller commencer sa construction, il l'a renvoyé. Et il est allé chercher un autre entrepreneur qui a fini sa construction dans un mois. Mais boss, il y a une chose à laquelle je pense ces derniers moments. Ouais, si aussi pouvait finir sa construction dans un mois. Ha! Ce qui veut dire qu'il est en train de compétir avec toi. Boss, je le sais, non? Je sais que la cérémonie d'inauguration fera la une du journal. Hey! Boss, doucement, doucement, doucement. Mon cœur est en train de sauter. Es-tu en train de dire que tous les musiciens célèbres viendront pour l'inauguration de ta maison? Boss, tu dis qui? Olamide? Et tous les collègues étudiants en sciences? Hey, 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 ça va être une grande célébration. Hein? Donc, Almighty. Hey! Hey, j'attends pour voir, non? J'attends pour voir s'il peut contester ce dernier. Hein? Il a fini sa construction. Qu'il aille l'inaugurer aussi, non?
On va voir s'il peut contester. Bien sûr. Tout mon respect, boss. Je sais que tu peux le faire. Hein? Je sais que tu es capable. Parce que c'est Dieu qui t'a béni. Et personne ne peut t'empêcher. Tu peux le faire. Aucun problème, monsieur. Ah, d'accord. Merci. Merci. Hey. Regarde, bébé. Je ne veux plus savoir si c'est quoi le problème. Ce que j'aimerais que tu saches est que l'anxiété et l'inquiétude n'ont jamais résolu un problème. Peu importe le problème. Je veux que tu penses à nous. À ta femme et ton fils. Nous t'aimons énormément. Je ferai tout pour toi. S'il te plaît, je t'en prie au nom de Dieu, que ce problème d'argent ne nous ravisse pas notre bonheur. Ok, bien, bien. J'ai même pas envie de savoir qu'est-ce que c'est. S'il te plaît, je t'en prie. Je ne veux pas que tu fasses une crise cardiaque. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive. Je ne sais pas si je vais m'en sortir si quelque chose t'est arrivé. Je ne sais pas, mon amour. Ok. Ne pense pas beaucoup sur ça, s'il te plaît. Parle à Dieu, par la prière. Il est capable de tout. S'il te plaît. I've done much, much, my brother. Maman aussi. Maman aussi? Hein? Elle n'est pas là? Ah, Djogo. Oh, des gars. J'espère que tout va bien. Donc, tu ne t'es pas encore habillée? M'habiller comment? Pour aller où? Donc, tu n'es pas au courant que... Eribe est en train d'inaugurer son immeuble aujourd'hui. Le président sera là. Le gouvernement de cet état sera là. Tous ces grands politiciens que tu connais seront là-bas. Eh? Ils ont déployé. C'est pour ça que depuis le matin, la sirène sonnait. Oui, partout. Bon, alors va t'habiller, nous allons partir. C'est tout le village, tout le monde sera là-bas. Dans ce cas, aussi mon fils doit être ici. Parce que eux deux sont de meilleurs amis. Et je suis sûr que la prochaine cérémonie d'inauguration du meuble qui aura lieu au village serait le sien. Mais pourquoi il n'est pas venu? Peux-tu en tout habiller et nous allons partir? Sinon je vais te laisser avec ces stupides questions. Attends. Laisse-moi aller m'habiller. Qui n'aime pas les bonnes choses? Dieu merci, j'ai eu assez de viande à boire dans mon sachet. Moi aussi, je peux même pas envier quelqu'un parce que j'ai tout ce que je veux avoir dans mon sac. Mon sac est bien plein. N'est-ce pas que c'est vous qui êtes en train de bouder là-bas? Tu parles de qui? Qui boudait? Oui, non. Regarde-toi, je me suis servi assez de riz.
de viande et à boire. Moi aussi. Tu sais, oui, Ebé nous a appelé pour manger, consommer tout ce qu'il faut. Et non pas pour que les autres prennent les restes et jettent ça. Attendez, oh. Laissez-moi les prendre. Asseyez pour moi, vous savez là où je me suis assise. Le deuxième tour de plat qu'on avait amené, oh. Il n'y avait personne pour manger ça. Laissez-moi aller les récupérer aussi, comme ça j'aurai assez de nourriture et de boissons. J'arrive. Non, reviens, oh. Regarde-moi la maison de aussi. Il a commencé à la construire il y a déjà 4 ans. Ma soeur, Dieu merci parce qu'on a vu la lumière. Il croyait qu'il était le seul à avoir beaucoup d'argent dans ce village. Ma chère, faut le laisser. Il évolue au rythme d'un bloc une année, un bloc une année. Allons-y, monsieur. On dirait que mon fils ne va pas bien. Non, il a un problème. Maman aussi, tu as commencé. Tu as encore commencé. Peut-être qu'il est parti à un rendez-vous très important pour lui. Qu'est-ce qu'il va avoir d'important que cette belle occasion? Son ami est en train de faire la cérémonie d'un garçon de sa maison et il n'est pas là. Hein? Qu'est-ce qui peut être plus important que ça? Pardon, Adulgo, aide-moi à appeler son numéro s'il te plaît. Bah, je sais pas comment sortir un numéro sur un téléphone, oh. Y a solo Pinza. Ce que je peux utiliser, c'est ce qui est sur un papier. Alors quand je regarde, je note. Je regarde, je note encore. Mais ce qui est dans le téléphone, bah, je ne peux pas appeler. Et ça nini Pinza. Ça me dérange ça la nini. Allô maman, bonsoir. Bonsoir mon fils. Non, comment va la famille toi? Maman, nous allons bien. Où c'est ta demain? Es-tu en train de me cacher quelque chose? Maman, pourquoi cacherais-je quoi que ce soit? Ton ami a officiellement inauguré sa maison aujourd'hui. Tous les gens du village étaient là. Sauf toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il ne m'avait pas invité. À mon niveau, tu veux que je participe à une inauguration sans invitation? Hein? Tu veux dire que ton ami Erubin ne t'avait pas dit que... il inaugurait son immeuble aujourd'hui? Maman, Erubin n'est plus mon ami. Attends, oh. Vous êtes le seul homme riche de cette communauté. Vous deux, vous faites partie du groupe de notre communauté. Je pensais que vous seriez de bons amis. Bien, malheureusement, nous sommes vraiment loin d'être de bons amis. Il ne m'a pas invité à cette cérémonie. Ok, ne t'inquiète pas, mon fils. N'as-tu pas encore fini de construire ta maison? Bien sûr que tu l'as fini. T'inquiète. Bientôt, tu vas aussi faire la cérémonie d'inauguration de ta maison et tu vas pas aussi l'inviter. T'en fais pas, mon fils. Il n'est pas plus que toi. Ta cérémonie aussi arrive. Maman, j'espère que tout va bien. Mon fils, ça va très très bien. Ça va. Dis-moi, quand est-ce que tu vas venir faire la cérémonie d'inauguration de ta maison? Parce qu'on a déjà fini de mettre la peinture dans la maison. Alors toute la communauté attend la cérémonie d'inauguration. Oh maman, puis-je te rappeler, hein? S'il te plaît, j'ai des choses très importantes à faire ici. Je m'inquiète pour mon business et tu me déranges pour l'inauguration.
as-tu arrêté beaucoup de choses. Tu as arrêté beaucoup de choses. Il fallait être là pour voir. Les musiciens, de l'argent, il est papier du dollar. Le dollar volait dans l'air comme si c'était du papier ordinaire. Tchaï, le gars de l'argent. Tchaï. Bien pour lui. Hein? Bien pour lui. Pourquoi tu n'étais pas venu? Pourquoi je suis pas venu? Oui. Es-tu ivre? Tu veux que je participe à une cérémonie sans pourtant être invité? Hein? En tout cas, tu ne lui plais même pas. Ça, je m'en moque. À cause de ton orgueil. C'est à cause de ton orgueil. C'est-à-dire? Signifiant que tu es trop orgueilleux. Pensant que tu es le seul qui a de l'argent. Maintenant, Ribé s'est levé avec du vrai argent. Et tu as commencé par cacher ton visage. Continue pas le cacher haut. Des garçons se lèvent maintenant dans notre village. Des jeunes arrivent. Des jeunes qui sont les plus vibrants, ils arrivent. Tu es devenu maintenant humble. Parce que tu sais maintenant que tu n'es pas le seul qui a de l'argent. Les vrais riches sont maintenant apparus sur scène. C'est toi qui es en train de me parler. Tu m'as bien entendu. C'est à toi que je parle. Moi aussi. Je te parle. Tu es parti maintenant à la vieille école. Vieille classe. N'est-ce pas la réalité? Ha! If I did you Jude. Jude, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 3 jours maintenant que tu as toujours cette attitude. Qu'est-ce qu'il y a? Henri, mmh? Je t'ai posé une question. Vas-y. Suis-je la cause de tout ceci? De quoi? Je ne comprends rien. Regarde. Quand je suis venu ici, cette boutique avait beaucoup de clients. Hein? Des clients partout. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, tout est par terre. Hein? Suis-je un porte-malheur? Jude, s'il te plaît, arrête de penser comme ça. Peut-être que Oga a un autre business qui l'intéresse maintenant. Alors arrête ça, tu n'es pas la cause de ce problème, ok? Es-tu sûr? Très sûr. Très sûr. Écoute, viens arranger les choses, s'il te plaît. J'arrive, j'arrive. Ok. Imagine. Imagine Okui, hein? Même toi, Okui, Okui pour qui j'achetais la boisson chaque soir. Okui qui courait derrière moi à tout bout du champ pour assistance financière. Et je ne manquais pas à l'aider. Aujourd'hui, il me parle de la sorte. Moi, Osioniego, Osionienko, moi, hey! Ça, c'est grave. Osioniego, Esengenasa le Lokomoko. Hein? Tu dois absolument faire quelque chose. Tu ne peux juste pas croiser les bras et regarder ces gens t'insulter. Oyeko kiko salimate. Eko kiko salimate aussi. Bonsoir, monsieur. Ah oui, tu dis? Désolé, boss. Est-ce que je peux avoir une minute avec vous? Je t'écoute. Monsieur, je n'aime pas l'allure qu'on prise les choses. Et la façon dont le business marche me dérange beaucoup. Regardez, quand je suis venu, tout allait bien dans vos affaires. Et je pensais que ma venue allait occasionner la croissance de vos affaires. Ça va être une malchance que quand je rejoins vos affaires, tout est tombé par terre. Bien. Je ne te blâme pas, ni ne blâme qui que ce soit pour ce malheur. Je sais ce qui m'est arrivé et
et je sais ce qui a mal tourné. Personne n'en est responsable. Hein? Monsieur, je sais que tu ne me blâmes pas. Mais les gens ne vont pas le comprendre de cette façon. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quitter l'Obakasi? Non, monsieur, non, monsieur. Ce que je veux dire est que nous devons nous mettre ensemble pour chercher une solution. Je pense qu'on doit faire le business comme moi je le faisais. Y a-t-il quelque chose d'autre à dire? Non, monsieur. Va te reposer. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Aussi, tu ne peux pas continuer comme ça. Ton business est en train de tomber à une vitesse exponentielle. Je vais te conseiller de faire un prêt à la banque. Mon maître m'avait interdit d'utiliser les prêts de banque. Allez, toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Écoute, même les grands hommes d'affaires et les industriels connus dans ces pays prêtent l'argent à la banque. T'as intérêt à faire ça. Et tu verras tous tes efforts de toutes ces années sont volés. Tu ne peux pas marchander avec l'argent des banques. En fait, tu vois, la peur de perdre l'argent me tuera avant même de le perdre. Aussi, tu n'es pas en train de parler comme un homme d'affaires du 21e siècle. Je ne vais pas te tromper. J'ai fait des hautes écoles de commerce, tu le sais. Je pense que il est temps d'agir avant de voir tes rêves tomber en morceaux. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Mais réveille-toi. Salut. Bonjour. Je vous regardais. C'est comme si nous étions déjà rencontrés. Je ne peux pas juste me rappeler de là où on s'est rencontrés. Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire? Vous savez, quand je vous ai vu là-bas, je me suis dit la même chose. Mais je me suis rappelé rapidement. S'il vous plaît, aidez votre frère, rafraîchir ma mémoire. On avait réservé le même avion le mois passé pour la Chine. Ah, maintenant je me rappelle. Maintenant je me rappelle. Comment vas-tu? Bien. Ouais. Puis-je m'asseoir? Oui, oui, bien sûr. Oui, yeah. Vous pouvez manger si vous voulez. Oh, après. Je vais vous rejoindre. Très bien. Vous résidez ici à Bini? Oh non, je n'habite pas ici. En fait, je suis juste venu résoudre un problème. Bien, ma marchandise a été saisie par les officiers de l'État. Alors, ils m'ont appelé ici pour qu'on puisse discuter. Comme on n'avait pas fini la discussion, alors je me suis décidé de passer une nuit à l'hôtel. Ah, ok. Est-ce qu'ils ont enfin libéré les marchandises? Pas encore. En fait, on avait dépassé les temps aujourd'hui, alors ils m'ont demandé de revenir demain matin. Ok. Ça va. Voici ma carte. D'accord? Donc, si vous y allez demain et vous rencontrez un souci, appelez-moi. Très bien. N'hésitez pas de m'appeler si vous avez un problème. Ok? Très bien. Vous savez, il y a des gens qui contrôlent ce pays. Et vous êtes en face de vous l'un d'entre eux. Chaque fois que vous avez un problème, appelez-moi. Je vais vous aider. Merci beaucoup. Hein. Ouais. Merci. En tout cas, je m'appelle Popo. Popo. Oui. Ok, je m'appelle Osi. Ah, ravi de vous rencontrer. Osi Onyego. Oh, ah, Onyego. Ça, c'est de l'argent. Ok. Vous aimeriez de l'argent. Ça va.
Aussi, aussi. Ça fait longtemps, monsieur. Alors, que voulez-vous exactement que je fasse pour vous? Vous voulez de l'argent pour continuer avec votre affaire d'importation? Vous voulez tout redémarrer? Pas tellement, monsieur. En réalité, j'aimerais quelque chose plus que ça. Oui, je me rappelle clairement. Les jours où on a voyagé ensemble pour la Chine. Juste avant qu'on embarque, nous étions encore au salon d'honneur. Et je me rappelle très bien que vous étiez assis avec quelqu'un. Peut-être votre ami, je ne sais pas du tout. Vous discutiez. C'était une discussion intime et sérieuse. Vous souvenez-vous? Oui. C'était mon ami Bizio. Je me rappelle clairement. Ouais. Pardonnez-moi parce que j'ai écouté des choses qui ne me concernent pas. Je sais que c'est mauvais. Mais j'étais intéressé à ce dont vous étiez en train de parler. En fait, vous lui parliez d'un certain homme qui avait soudainement fait assez d'argent et commencé à acheter des propriétés qui coûtaient des centaines de millions, même des milliards. Et vous avez dit que cela pourrait être possible juste parce que cet homme avait rencontré une certaine personnalité. Et cette personne est la seule personne qui peut faire en sorte que telle chose se produise dans un laps de temps ici dans ce pays. Est-ce que vous vous souvenez? En effet, vous nous avez écouté. Oh oui, ouais. J'ai écouté. Ouais. C'est ce que je veux. S'il vous plaît, connectez-moi à cette personne. C'est tout ce que je veux. Je veux faire l'argent. Des centaines de millions et même des milliards. Regardez, j'ai bien réussi mon business. Mais je ne réalise que des petits millions. Ce niveau ne m'enchante plus du tout. Je veux être plus que ça. Je veux être comme vous, monsieur. Je veux rencontrer ce monsieur qui peut faire en sorte que ça marche pour moi. Je veux réaliser des centaines de millions et même des milliards. Pouvez-vous faire ça pour moi, monsieur? Croyez-moi, je vous serai reconnaissant durant le reste de ma vie. Je peux voir le feu qui est en vous. Je vais vous aider. Oui, je vais vous aider. Vous savez, je suis Ikoime, celui qui parle les faits. Ok. Si je promets, je tiens. Ok. La façon dont je vous vois, je pense que vous avez besoin de mon aide. J'ai vraiment besoin de votre aide, monsieur. Je vous prie de faire ça pour moi et durant le reste de ma vie, je vous serai loyal. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Oh. Je le ferai. Vous ne savez pas combien je me suis battu pour avoir ce contact. Merci beaucoup, monsieur. Faites ça pour moi et je vous promets que tous les jours de ma vie, je vous serai reconnaissant et loyal. Hein? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Oh,
Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne passe toujours pas. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est toujours éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que ça peut être toujours éteint? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a jamais été dehors jusqu'à cette heure. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à comprendre. Mon Dieu, je veux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi cette heure? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi maintenant? Mon Dieu, ok. C'est toujours éteint, qu'est-ce qu'il ne va pas? Mon Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie. Mon Dieu, Seigneur, que ça ne soit pas ce que je pense, s'il te plaît. Que ça ne soit pas ça. S'il te plaît, Seigneur, que la honte ne soit pas mon partage. Chérie, où es-tu, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton téléphone est aussi éteint. Seigneur, que ça ne soit pas ce que je suis en train de penser. S'il te plaît. As-tu une nouvelle? Dis-moi, as-tu parlé avec quelqu'un qui a au moins une de ces nouvelles? Personne. Tu veux dire qu'il n'est pas allé au bureau aujourd'hui? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Alors où était-il parti, non? Bien, Aloïs, Allo a dit que il a entendu passer un appel ce matin. Quand il sortait, qu'il allait partir au Bénin. Mais qu'il reviendra aujourd'hui. Bénin? Oui, c'est ce qu'il a dit. Mon mari ne m'a pas parlé d'une affaire de Bénin. Et mon mari que je connais ne peut jamais sortir, même pas voyager, sans pour autant me prévenir. Regarde, hein, tout ce que je peux te demander, c'est de te calmer. Juste, calmons-nous et dormons cette nuit. Demain, nous saurons quoi faire. Tu viens de dire dormir? Écoute, tu crois que je peux vraiment entrer dans la chambre et monter dans le lit et fermer mes yeux pour dormir lorsque mon mari est à un endroit inconnu? Dis-moi, penses-tu que je peux le faire? Je n'ai pas appris ce genre de blague. Oh, tantine, juste calme-toi. Peut-être qu'il a eu un imprévu. Hein? Peut-être que sa batterie s'est déchargée. Hein? De quel lobat parles-tu? Mon mari a un chargeur dans sa voiture. Alors son phone ne peut pas être éteint. Alors, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, je ne sais pas.